Bonjour, bonsoir le monde. Ça dépend de qui pays et à qui les regarde vidéo ça. Monte actuellement la grande crise qui a débouché sur une guerre mondiale. États-Unis ont une bonne relation ensemble avec le pays Iran. Actuellement la relation pas même parce que États-Unis a vrai même que li tué à Bagdad un grand révolutionnaire iranien. Ça veut dire que il a toujours dit que États-Unis gagne pour perdre grande puissance li en grand terme parce que li perdit en terme économique c'est la Chine qui gagne elle. Même Jean proverbe l'a dit celui qui finance commente. Il a toujours dit ça mais il a toujours dit c'est Haïti qui a pris grande puissance là. N'a pas suivi parce que il dit son petit pays ça figuré dans Bible. M'a dit tout haïtien un peu partout qui a voyagé dans région ça pour prudent. Ainsi que bon qui te suivre cette vidéo son don reportage double qui fait en Iran et en France. Le ciel de Bagdad s'illumine tôt ce vendredi matin. Plusieurs raids visent l'aéroport, filmé ici par un journaliste irakien. Sur la route, proche de la zone cargo, des véhicules d'un convoi ont été pulvérisés. Dans l'un d'eux se trouvait le commandant de la brigade Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranien, le général Qassem Soleimani. Il venait d'atterrir dans la capitale irakienne en provenance de Syrie ou du Liban. Il est mort sur le coup. Tout comme Abu Mahdi Al-Muhandis, le chef d'une milice irakienne soutenue par l'Iran, qui était venu le chercher. Très vite, Donald Trump publie un de ses fameux tweets, simplement le drapeau américain. Le Pentagone confirme ensuite avoir mené, à la demande du président, une action défensive décisive pour protéger le personnel américain à l'étranger. Le département de la Défense ajoute que le général Soleimani était activement en train de préparer des attaques contre des diplomates américains en Irak et dans la région. De son côté, l'Iran convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale ce vendredi. Le guide suprême, dans un communiqué mis en scène par cette photo où il embrasse Qassem Soleimani, déclare 3 jours de deuil national et appelle à une vengeance terrible. Message relayé aussi par le ministre des Affaires étrangères. Cette opération américaine est sans aucun doute un acte de terrorisme d'État et une violation de la souveraineté irakienne. Le sang pur et saint de Qassem Soleimani va renforcer la résistance et unifier un peu plus le peuple iranien. Il s'agit du dernier épisode d'une montée des tensions depuis plusieurs jours entre Washington et Téhéran. Depuis la mort d'un Américain près de la ville irakienne de Kirkuk la semaine dernière, tué dans un bombardement attribué à des forces pro-iraniennes et d'un raid de représailles américain dimanche dernier. Et surtout de l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad en début de semaine par des milices pro-iraniennes. Autre signe de cette escalade, plusieurs centaines de soldats américains sont arrivés dans la région en renfort ces dernières heures.